Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre challenge numéro 2. Donc, il va consister à faire du gainage actif, surtout sur la ceinture abdo-lombaire. Donc, je vais vous montrer différents exercices qui vont vous permettre de travailler cette partie-là, donc avant, côté au niveau oblique et au niveau des lombaires derrière. Pour ce faire, vous allez juste avoir besoin d'un tapis et d'un haltère ou d'une bouteille, enfin voilà, un poids en plus. Alors suivez bien comment je vais faire mes exercices parce que ça va être un petit peu compliqué à réaliser ces exercices que vous n'avez pas forcément trop l'habitude de faire, donc regardez bien où je pose mes pieds, mes mains, etc. D'accord ? Je vais essayer de à chaque fois vous expliquer un petit peu le fonctionnement, mais voilà, n'hésitez pas à bien regarder, surtout ça va être important. Je vous montre tous les exercices d'affilée et à la fin je vous dirai le challenge à réaliser. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir poser un pied au niveau d'une main, d'accord? Donc le pied du côté de la main que je relève, et là je vais venir avancer, hop, sans toucher, relever ma jambe devant. Tac, tac, je repose. Même chose de l'autre côté, hop, je avance, je viens devant, hop, je touche pas, tac, et ainsi de suite. Voilà. Numéro 1, c'est celui-ci, ok? Allez, numéro 2. Pied resserré, d'accord, ou un devant, un derrière, c'est comme vous voulez. Vous êtes ici, posé sur votre coude, et là, vous allez devoir venir forcer le plus haut possible pour monter votre bassin de manière à ce qu'il vienne dépasser votre axe de corps. Donc là, hauteur normale quand on fait un gainage statique, là vous allez venir descendre, et je vais vous demander de forcer à relever bien haut de manière à ressentir la partie oblique qui est vers le sol, c'est elle qui doit travailler. Ensuite, vous reposez, on force à monter au plus haut, d'accord, vous allez sentir l'épaule, mais vous allez aussi sentir l'oblique travailler ici. On pose, on monte, on pose, on monte, ok? Donc ce côté-là, une fois que c'est fait, même chose, on est ici, hop, tac, je force, je remonte au plus haut, je remonte au plus haut. Toujours pareil, je n'oublie pas de contracter vraiment toutes les obliques, ceux qui sont face au sol, hein, je vous répète bien. Ok, une fois que ça c'est fait, le troisième exercice, vous allez être ici, c'est là que vous allez avoir besoin de votre voix. Hop, là, je suis ici. Je relève, je tends. Je reviens, je relève, je tends. Je reviens. Donc le bras reste tendu, mon dos reste droit, d'accord? Je force bien sur mes jambes, je tends, je ramène. Je tends, je ramène. Voilà, notre exercice 3 et notre quatrième. Vous allez vous mettre pour la zone lombaire, ici, d'accord? Sur le vent. Et là, ce que je vais vous demander, ça va être dans le même temps. Donc, de resserrer les fessiers et partie lombaire. Si vous êtes bien gainé, bien serrer les omoplates. Ici, donc les pieds ne poussent pas, les mains non plus. Je veux bien toucher sur les côtés et je ramène. Je touche en diagonale sur les côtés et je ramène. Je touche en diagonale et je ramène. Voilà. J'espère que ça ira pour vous. Normalement, vous allez être capable de les faire sans aucun souci. Donc le challenge, ça va être de réaliser ces 3 exercices, 4 exercices là, avec 30 secondes d'effort, donc sur chaque exercice, les faire tous une fois en circuit, donc d'affilée, sans récupération, et voilà, tenir le rythme, et vous allez voir, ça pique. Allez, ciao.